Comment s'appelle ce château? Le parc aventure. Ouais. H-I-E-R-S. Qui ouvre château de la Gatoutière, c'est la date de Gatoutière. Bienvenue. Bonjour Stéphanie. Nous sommes arrivés à Marraine Plage. Et c'est peut-être là que nous allons pique-niquer sous la pluie. Bienvenue à Marraine Plage, où le soleil s'est caché. Sandrine, vos impressions pour Marraine Plage? Marraine Plage. Bien arrivé. Il est où pour le pique-nique? Ouais, le soleil il est pas là. Ah, on l'a perdu. Nous allons pique-niquer. Oui, on va manger. Et paraît, que Marraine Plage rend amoureux. Philo, nous faisons nos premiers bains de pied. L'eau est bonne? Ouais, tu parles. Toi qui veux faire le grand plongeon. Frédéric. C'est bon. Oh yeah, yeah. Le camping est à 15 bandes d'ici? Non. Après le pont, il y a 15 bornes. Elle va nous déposer sur le grand village, et au grand village, jusque le camping, il y a 15 km. C'est l'endroit emprunté. Allô? Frédéric. Non, je crois que tout le monde peut continuer. Est-ce que Frédéric. Est-ce qu'on peut continuer après, ou il y a des gens qui veulent rentrer en même Télégant, place? Ça, tu m'as pas. Donc nous sommes arrivés à Bourg-Sefranc-le-Chapuis où nous faisons une petite halte pour manger, mais comme d'habitude nous arrivons avant les véhicules vu qu'on ne va pas être qu'en vélo. Donc nous les attendons pour manger parce qu'après il faut que nous passions le pont que vous voyez là, le pont qui va nous amener sur l'île d'Oléron. Voilà, et le fort je sais plus son nom là, mais je sais qu'en marée basse on peut y aller à pied. Frédéric, comme toujours, les véhicules ne nous précèdent jamais. Mais tu le sais très bien, puisque tu viens d'interroger Johan, qui a dit qu'on était plus fort que les véhicules, on arrivait toujours avant eux. Par sécurité, nous allons attacher nos vélos. Tout à fait. Il y a deux secondes, il voulait... Au grand désarroi j'écoute la raison. De Johan. J'écoute la raison. Sur les conseils bienveillants d'Aurélie, Johan nous a attachés solidement. Nous nous rapprochons de Philo. Nous nous rapprochons, Philo, de notre but. Ouais. Pas d'ici, je ne sais pas. Et puis pour les vendre. Très bien. Donc on va faire un hold-up. Voilà. Tout à fait. On va passer directement du producteur au consommateur. Oh, ouais, on va consommer directement sur le toit. Mais tchè, comment cette saison encore, ça va, c'est agréable. Bon, ça va. Là. On a le beau temps. Bon, il y a les bons moments et les mauvais. Dans le tout, c'est vrai que c'est assez dur. Quand même. Un petit peu du métier, sinon c'est... Maître Johan, oui. Pourriez-vous nous expliquer un peu la qualité de ces endroits? La qualité de ces endroits, bah, ce qui est très précieux, c'est que on est complètement en bout de terre de la France métropolitaine, puisque là, vous voyez le pont qui amène jusqu'à l'île d'Oléron.
là, c'est là où on a tout, les pêcheurs, tout ça, on a toutes les huîtres, les moules et tout qui viennent d'ici. Il y a là le fort Louvois. D'ailleurs, en zoomant un peu, on peut voir qu'il y a des gens qui sont bloqués là-bas parce qu'en fait, ils ont pu passer à marée basse, mais là, maintenant que c'est la marée haute, ils ne peuvent plus revenir. En fait, non. Moule. Moule. Regarde Guy, le pont, nous sommes arrivés, nous allons traverser le pont. Pour aller à l'île de Léron qui est en face. Voilà, à notre camping. Le camping des... Le camping paradis. Ah oui. Donc là, vous êtes en train de charger les moules. Là. Vous faites un métier difficile. Pour l'instant, ils sont pas encore vendables. Ils sont consommables, mais pas vendables. Faut les nettoyer là. Comment ? Demain en mer. Demain en mer. Ah, pas aujourd'hui ? Ah non. Et vous avez des lieux secrets ou pas ? Ah bah, chez nous, oui. Ah, d'accord. Chacun a son périmètre. Voilà. Au revoir, monsieur.